Bonjour à tous, c'est ici Claire Simon, surtout pour ce 24e épisode sur Darkest Dungeon. Donc, toujours, on s'était laissé toujours dans notre petit hameau tranquille où on avait terminé de monter la taverne dans le dernier épisode. Je n'avais pas monté certains de mes personnages, donc je vais le faire assez rapidement. Je regarde un petit peu les caractéristiques, de toute façon on va pouvoir les monter au niveau max. Voilà, ça va être très bien. Et on va monter à la Neia aussi, puisqu'on va en avoir besoin. Je vais venir de ce côté-ci. Voilà. Et on va pouvoir se rendre, donc comme dit, à la fin du précédent épisode. On va aller attaquer le Swine King en compagnie donc de La Fontaine, Magicager, Hermine et Alaneia. Voilà. Est-ce qu'ils ont des trinkets tous? Ça serait sympa d'être sûr qu'ils soient équipés pour pouvoir affronter nos adversaires. Voilà. Et donc on va se diriger donc vers le Swine King. Et plus tard on fera la hague aussi, si possible. Alors, on n'a qu'un feu de camp. Ok, on va prendre de la nourriture. Des torches, ça c'est sûr. On va prendre un peu plus parce que... Ouais, quoique non. Là, c'est vraiment pas très raisonnable. Non, aussi bien, on ne servira pas de tout ça, mais c'est vraiment pour préparer. And the results disappointing. I soon found, however, that the type and condition of the host's meat was a critical factor. The best results came from pigs, whose flesh is most like that of man. Allez, on va aller voir notre gros cochon avec le petit Wilbur. Et on va voir ce que ça donne. Alors, la map est toute petite cette fois-ci, en comparé à la dernière fois où elle était vraiment grande. Et on a 3 voire 4 positions possibles. Alors, on va y aller directement. Je vais pas m'embêter. Alors, les parchemins, c'est avec une torche. Alors là, par contre, c'est pas gênant. Fragile. Ok. Si, lui, je vais le prendre. Et on va mettre une petite torche là-dessus. Et il a perdu Unlined. Donc, c'est pas vraiment celui que je voulais perdre, mais c'est pas grave. Au moins, on en a perdu un, c'est déjà ça. Une torche qui aura servi et qui nous évitera de mettre de l'argent pour faire baisser des caractéristiques. Enfin, enlever des caractéristiques qui sont pas bonnes. Ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir avoir de la nourriture en supplément. Allez, on va faire quelques dégâts. Dommage, celui-là aura échoué. Encore des dégâts. Bon, j'aurais pas touché ceux à l'arrière, mais c'est pas trop gênant encore. On n'a pas besoin, on n'a pas trop de problèmes de stress pour le moment. Même si ça viendra bien assez vite. Allez, Alaneia qui se soigne elle-même. Allez, on va toucher le drummer. Et on va même le finir parce que c'est celui qui peut nous embêter le plus niveau stress. Donc là, plutôt pas mal quand même. On aura fait, on n'aura pas trop pris de dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, on a pris un peu de stress, ce qui me gêne un peu, sachant ce qui nous attend par la suite. Allez, on va bien finir par la voir. Allez, une pelle de plus. Pourquoi pas. Hop, on va prendre la nourriture qui se trouve sur la table avec l'or.
Et voyons voir si on a trouvé le Swine King. Malheureusement, non. On va s'y diriger quand même par ici. Pour aller par en bas. Oui, on peut avancer tranquillement. On va prendre une petite torche, ce qui fera du bien pour éviter d'avoir un stress trop élevé. Alors, du scouting jusqu'à la prochaine pièce. Toujours rien. Bah, ça, c'est plutôt pas mal. Moins je blesse mes personnages, mieux c'est. Parce qu'on avait vu que la dernière fois, ça avait été compliqué hein, pour aller. Ah, une map! De toute l'espace, donc là normalement on devrait avoir l'ensemble de la carte. Voilà, le Swine King est ici. Et après on pourra comme ça looter l'ensemble de l'espace. Et est-ce que je ferais pas comme ça pour dire de. Non, on va aller directement voir le Swine King. Tant pis, on prendra le campement avant. On le prendra juste avant pour dire de s'assurer qu'on soit en bon état. Enfin, si c'est nécessaire, hein, bien sûr. Si vraiment ça l'est pas, je ne le ferai pas. Hey, on est tombé sur un Swinotaur, donc c'était plutôt pas mal. On va essayer de l'éliminer rapidement, par contre. Et éliminer aussi, si possible, les gladiateurs pour éviter d'avoir trop de. On va le marquer une première fois. Pour dire de doubler les dégâts. Et voilà, il commence à se prendre des coups d'épée. Et si on peut arriver à tuer le gladiateur avant, ça serait même très bien. Et là, voilà, il se prend 21 de dégâts, très très bon déjà. On lui a enlevé les deux tiers de sa vie. Bon, il fait un retrait, ok. Le Eldritch Pool qui va gêner, forcément. Et il va quand même pouvoir attaquer. Il va pouvoir attaquer et mettre son bleed. Bon, on va soigner, hein, c'est pas très grave. Oh, celui-là il va faire mal aussi. Oui, j'ai des pansements, donc c'est pas trop gênant. J'aurais dû le tuer, tant pis. Oh, un critique à 17. Oh, il lui reste un de vie, dommage. Dommage pour nous, ça. Allez, hop, on va l'éliminer. Abusons pas des bonnes choses. Allez, le Pixpire qui va passer, qui va faire ses dégâts, bien sûr. Ça fait mal. Et techniquement, on devrait pouvoir. Allez, on va la tuer, ça va se soigner en même temps. Comme ça, c'est ça, pour ça que j'aime bien. J'aime beaucoup utiliser le jugement plutôt que d'autres attaques pour mes Vestales. Parce que ça me permet de soigner tout en tuant l'adversaire. Et c'est pas négligeable. Comme bonus. Bon, on aura beaucoup de pelles finalement. Ce qui est pas forcément utile, mais bon. Si on vient à trouver des choses à creuser, on pourra le faire. Bon, on n'a pas besoin de portrait, donc tout va bien. Et on va faire le campement assez rapidement. Pour prendre des bonus, être moins surpris, plus de dégâts critiques, très bien. Ça, on verra ensuite. Le dodge et la currency, ça, ici, très bien. Il reste quoi? Allez, on va baisser le stress un peu de tout le monde. Et on va soigner un bleed ici. Dommage, ça n'aura pas réussi. Bon, on va prendre un pansement, ce qui nous libérera de la place. Et on va rester. Maintenant, on se dirige vers le Swine King. On a une revanche à prendre. Alors ça, généralement, vous voyez, il y a juste à cliquer dessus. Et ça vous donne des bonus. Alors, Clotheur.
Voilà, qui donne du bleed resist. Par contre, ça. Ok, oui. Bon, pourquoi pas. Allez, un petit combat en espérant qu'il se passe pas trop mal pour éviter d'être trop affaibli quand on va arriver face au boss. Déjà, deux morts, ça va être très bien. Essayer de tuer le fusilier rapidement. Voilà, sur un critique, c'est ce qui fait du bien. Lui, par contre, il va faire peut-être des saignements. Donc, voilà, slice and dice, ça. Ouh, très bien, esquiver. Donc, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. On lui met des coups d'éclair dans la figure. Et même un coup d'épée, comme ça, au moins. Plus de problème. Et on va pouvoir se diriger tranquillement vers le Swine King. Allez mon bonhomme, c'est ton tour d'y passer. Enfin, en espérant que ça se passe beaucoup mieux. Parce que c'est pas gagné non plus. Allez, Wilbur qui nous place déjà les coups sur nos deux tanks. Donc on va mettre le maximum de dégâts sur le Swine King pour commencer. Ouh, dégâts critiques à 31, ça c'est plutôt pas mal. Fallait le placer celui-là. Encore un dégât critique à 17. Ben dis donc, on a un peu de chance chez critique cette fois-ci. On va le marquer. Voilà, bon, 15 de dégâts. Heureusement, on a des sacs à PV à l'avant. Ah, il les remarque, d'accord. On va pouvoir les soigner. Voilà, un petit 27 de dégâts. Il a déjà passé la moitié de sa vie, hein. On va les soigner bien sûr. Allez, 15. Et encore un soin ici. Ça fait que la moitié des dégâts qu'il a fait le coup d'avant, hein, mais... Et encore heureusement, ce sont pas des critiques, ce sont juste des coups comme ça. Par contre, là, il va falloir le soigner, hein, à tout prix, parce qu'il va être aux portes de la mort. Hein. Ouh, critique à 31, très très bon. Parce que là, il risque de se prendre un critique plus important. Et le tout, c'est de pas prendre de stress. Voilà, un petit 25. On esquive tous les critiques hein, du boss. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Ah, il va s'en prendre à la Neya. Donc le tout, ouh, le critique qui va faire toute la différence, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à Wilbur. Juste ce qu'il faut. Voilà, le Swine King est mort. Et maintenant mon petit Wilbur, c'est ton tour. Pas question qu'on te laisse courir le petit cochon. Et ton squeal ne nous fera rien. Oh, quoi qu'il a fait son stun quand même. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va le tuer. Bon, alors par contre, on sera low en life ici. Mais ça, c'est pas trop gênant. On va récupérer le Plague Doctor. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, je vais le récupérer bien sûr. Bon, on va tout prendre. Hein. Sauf la monnaie, peut-être. Ouais, mais on a trop de pelles. Donc, on va pouvoir poser une pelle. Le Heirloom Chest. Pas besoin de l'ouvrir avec une clé. Et on a un Disease Charm qu'on va pouvoir prendre. Bah on va mettre la clé. On va essayer de récupérer le charme. C'est pas très gênant. On a un peu de vie. Donc on va aller jusqu'au combat. Essayer de récupérer de l'argent. On va faire attention. Bien sûr. On peut avoir de la nourriture avec ça. Dans les dinner cartes. Ce qui est plutôt pas mal pour soigner, par exemple. Voilà, je préfère utiliser ma nourriture à bon escient. On en a trop, hein, donc ça fait pas de mal. Au moins, on va pouvoir faire les combats un peu plus sereinement. Et récupérer le maximum de choses, enfin j'espère. On va faire ces combats là, hein, si possible.
Alors ça commence par du vomissement, d'accord. Toi j'aimerais te tuer parce que tu es vraiment gênant. Malheureusement ça aura pas fonctionné. Allez, y a pas des soins de groupe pour quand même réparer tout ça. Toi je vais te tuer parce que tes saignements sont gênants. Allez, on va commencer à remettre sur le river. Buttercut qui ne passera pas. Donc ça c'est plutôt pas mal, généralement. On va pas s'en plaindre. On va mettre un peu de soin quand même sur mes personnages. You, Buttercut qui va passer mais qui fera pas de... Pas trop de dégâts, donc ça c'est gérable. Encore, allez, double dégâts pour essayer d'avoir le spawn qui est derrière. Si possible, avec Magic Edger qui prend un peu de stress. Bon, pas de gêne, pas de gêne. Allez, voilà, il est mort comme ça au moins. Un facteur de stress en moins. Est-ce que. Non, on va pas le risquer, on va le tuer. Dommage. On va le tuer, j'ai dit. Voilà, très bien. Et un critique à 31. Tout ce qu'il faut. Monter les critiques, c'est toujours assez important. Allez, de la nourriture. Bon, allez, on va essayer de l'ouvrir comme ça, le heirloom chest. Ok, ça par contre, je vais en avoir besoin. Voilà, on va prendre le maximum de choses qui peuvent être intéressantes. Le combat suivant est ici. D'ailleurs, est-ce que j'ai encore des torches? Oui, j'ai encore des torches. Donc ça va être plutôt pas mal. Ça, il fait mal celui-là déjà pour commencer. Et un deuxième. Là, il y a du dégât. Allez, soin de groupe. Et on pourra encore en faire un d'ailleurs. Tiens, mon beau, prends-toi des coups de TP et même un petit critique, ça te fera du bien. Et le coup de fouet là, qui a fonctionné d'ailleurs, hein, qui a mis ses dégâts. Est-ce que j'ai encore des. Non, j'ai plus de quoi soigner comme ça. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Allez, il va mourir et on va pouvoir approcher tranquillement le fusiller de tout ça. Ici, un petit soin à 8, ça fait du bien. Ouh, et le fusillé qui sera mort en une fois. Plutôt plaisant. Voilà, même comme ça, au moins, pas de soucis. C'est fait, c'est passé. Alors ça je vais le prendre bien sûr. On n'a pas tellement été empoisonné au final. Donc je vais prendre les herbes médicinales pour prendre le buff qui va être juste derrière là. Voilà. Un petit buff qui va faire plaisir, plus de damage. Une petite torche, deux petites torches et le combat. Table médicinale, ok, pourquoi pas. Oh, large corps, il va falloir faire attention à lui. Ce qui peut être gênant. Enfin, vous me direz, les gênants quand on leur met des critiques comme ça, sont pas si gênants que ça au final. Et même il sera mort avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. On a eu beaucoup de chance sur les critiques sur cette partie. Sur cette run là, beaucoup beaucoup de chance. Allez, on continue les soins. On aurait quasiment remonté la vie de tous mes personnages. Allez, le corpse eater qui prend encore des coups. Ce serait bien de le finir d'ailleurs. Voilà. Beaucoup mieux. Et on va pouvoir s'occuper de la cultiste. De l'enchanteresse. Faut qu'elle nous embête plus. Voilà, très bien.
as victories mount, so too will resistance. Ça fait juste 1000, ça, hein. C'est pas énorme. Et on n'aura pas eu temps d'utiliser la Holy Water. Ouais, non, ce charme-là m'intéresse pas tant que ça. Au final, c'est pas un truc super intéressant. Allez, on va aller ici, puis je pense qu'on se laissera là. On va finir cette salle-là. On aura quand même pas mal récupéré. Et le reste après, c'était pour monter le stress, c'est pas vraiment nécessaire. Et on les surprend, donc ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Et en plus il est mort, donc tout ce qu'il faut. On va le finir ce river, enfin j'espère. On le finit, très bien. Ah, les critiques on les enchaîne, hein. Pourtant on n'a pas de bonus de critique, mais... là on les enchaîne et ça fait plaisir. Allez, bon, décidément, pourtant il y a combien de chances de critique? Que 10%, hein. C'est une chance sur 10, mais il les passe tranquillement. Et dernier combat. Ah voilà, ça c'est ce que je voulais voir, une petite... on les a surpris, mais un nombre de fois incalculable aussi. Ça c'est plutôt pas mal. On va essayer de tuer le spawn à l'arrière. Lui masque et masse dégâts ou pas, je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Là, il va pouvoir faire sa vomissure, mais il est raté. L'incantation de stress, pourquoi pas. Ouais, ils vont pouvoir faire toutes leurs attaques avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Hein. Bon, toi déjà t'es mort. Faut pas abuser des bonnes choses quand même. Ah, encore un critique, mais oh, il les enchaîne. Magic Edger est en forme, mais en forme plus qu'Olympique. Hein, il a dû faire que des critiques, quasiment, depuis le début de cette run. Il a dû en rater à une petite dizaine sur le nombre de coups qu'il a fait. C'est quand même impressionnant. Et les Vestales auront fait aussi pas mal de dégâts hein, sur cette run. Ça c'est plutôt pas mal de les monter comme ça, mis soin, mis dégâts. Alors par contre, on va s'arrêter ici. Donc on va prendre la monnaie et le reste n'est pas vraiment nécessaire. J'aurais pris plus de nourriture que nécessaire, mais parfois mieux vaut. Alors ça me dérange pas. Par contre toi t'as fragile. Ouais, ça m'intéresse plus si tu pouvais le perdre. Et il a rien récupéré en fait de précis. Donc tant pis, allez, on s'arrête ici. Un épisode un peu court, mais bon, en même temps, je vous en ai mis quand même pas mal de long. Et ça change un petit peu. Et on va en récupérer du crest. Hein. Ça, on va en avoir besoin, sacrément besoin même. Et quelques bustes donc qui vont faire du bien. Alaneia passera pas niveau 4. On a un petit Clancy, mais ça je m'en moque un petit peu. Ça c'est pourquoi pas. Ça sympathique. Et ça plutôt pas mal. C'est vraiment Slayer of Beast est vraiment intéressant. Vraiment très intéressant. Alors, on a réussi à battre le Swine King, enfin! On aura vengé ceux qui sont morts, et on va pouvoir leur rendre d'ailleurs une petite visite. Dommage, il est devenu calme. On va pouvoir rendre une petite visite au graveyard, donc au cimetière, et voir, dire bonjour à Cleasim et à Tiberians qui sont morts donc par le Swine King et qui est maintenant lui-même décédé. Ça fait plutôt pas mal. Est-ce qu'on aura non pas spécialement besoin de choses ici. Là, pas de quoi faire monter malheureusement pour le moment. Alors là, d'accord.
ici. Non, on ne montera pas pour l'instant. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura quand même fait un progrès en battant un nouveau boss. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à partager la série aussi, hein, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis donc on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!